Et salut tout le monde, c'est MacLeon85. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon version platine pour l'épisode numéro 20 si j'ai bon souvenir. Voilà, donc là j'ai déjà tourné l'épisode 19 juste avant et je vais tourner peut-être l'épisode 21 juste après. Enfin bon, je verrai l'heure qu'il est. Il est 18h. 10h55 sur la Pokémontre. Et ben c'est parti, moi je dis. Nous sommes partis donc pour l'arène de Walrock. Donc voici les Pokémon de l'autre fois qui n'ont pas changé. Je n'ai pas voulu les XP, il n'y avait pas d'utilité. Nous allons voir les niveaux à l'intérieur et c'est parti. Complètement différent normalement de la version Perle. Ok, allez, on est parti. On commence à péter tout ça. Ouais, c'est parce que je pensais que c'était premier. Là je pousse ça, allez on suit. Oui, pas grave. Allez. Ouais, donc on peut l'esquiver, mais voilà, je ne le ferai pas. On a besoin d'XP, on a besoin d'XP. J'espère qu'ils sont dans les niveaux 26, ce serait parfait. Ah non, en fait j'en ai qui sont un peu plus belles. Parfait. Parfait, parfait. Pourquoi je voulais qu'ils soient plus belles? Parce que. S'ils étaient plus HL, et ben ça voulait dire en fait que si on avait qu'un seul, ben, ça serait un haut level quoi. Ils sont dans les niveaux. Je sais pas. Je pense que je suis pas tombé dessus là, ça va être des niveaux 27, je pense. Les levels, les bons niveaux. Les niveaux si, si je tombe contre qu'un seul gars. On peut... Oh, ben c'est vrai que c'est un mode chopper, ça donne pas mal. Peut-être une évolution aujourd'hui. Cool. Ah non, ouais, non, c'est niveau 27, c'est niveau 27. Aéropic. Quoi? Allez, non, j'ai rien dit, non, je mettais. Matchopper est bien plus HS, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Cruel, hein. J'utilise un aéropic pour rien. Voilà. 781. Oh, ben parfait. Tu veux que je t'aime, toi, là? Ouais, ça va être chaud. Hein. Normalement c'est tranquille, hein. L'arène est tranquille pour moi. Moi j'ai... Normalement il doit se blesser lui-même. Bien sûr il se blesse, t'as plus ça une blessure toi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Complètement. Oh, j'aurais voulu up, ça aurait été super cool. Oui, alors là, t'as été littéralement, mais littéralement écrasé. KO. Oui, bien sûr, il a servi à quoi ce combat en fait? Ah, d'accord, en fait, c'est un piège. Ok, j'ai juste de comprendre. Voilà, il fallait juste que je continue à avancer. Complètement normal. Bah voilà. Petit combat gratuit. C'est cool, c'est cool. Normalement la vraie suite elle est ici, mais on va... Voilà. Ouais, celui-là on peut l'esquiver tranquillement. Et ensuite... Ah non, en fait on peut pas l'esquiver. Ouais, en fait c'est bien fait, c'est bien fait. Tout est fait pour éviter, voilà, pour essayer d'en faire un maximum de combats. Je te le pose, bam. À niveau 26, ouais c'est ça, niveau 28 en fait, leur niveau. Moi ça va. Allez, on pique. Oula, j'ai un petit problème avec FPS. Non, c'est bon. D'accord, le ciel tourne soi-disant 319 FPS. Complètement normal. Hop là, niveau 30 encore. Non, je sais pas encore combien de niveaux. Hein. Je sais dans combien de niveaux il va évoluer à peu près. C'est ça qui gagne en puissance, comme ça sera beaucoup plus simple. Parfait. Pour l'instant, et tour raptor, c'est l'impression. Et tour voile a été, ouais, a été demandé, on va dire, enfin, je l'ai utilisé pour l'instant pour deux arènes, pour beaucoup d'arènes, ouais. Ça sera pareil pour Bonita. Normalement, ce sera deux, enfin, une sur et la dernière, après, on verra. L'autre, on verra. On verra. Avec 5 minutes, waouh!
Waouh, ça va tellement vite. Ça va tellement vite, c'est parfait. Attendez. Putain, j'arrive pas. Eh oh. Oh ben voilà, je voulais te parler, mais bon. Tu m'as trouvé tout seul. Ça me va, ça me va, ça me va. C'est Noobi ça, ça c'est Noobi ça. L'utilité, l'utilité. Vas-y, j'ai rien gagné. Oh, perte de temps, perte de temps. Oh non. Non, non, non. C'est vrai que ça a moins de données, mais bon, voilà. Faut savoir accepter la défaite, hein, pour les adversaires, bien sûr, pas pour moi. Je suis un chien. Hop là, on continue. M'insulter les dresseurs adverses, je me tais, j'arrive pas à parler, j'arrive jamais à parler de toute façon quand je fais une vidéo. Cette technique qui ne sert que contre les types spectres. Technique qui permet de frapper justement que les attaques du combat touchent les types spectres. Niveau 31, yeah. Un petit peu d'anglais, hein. Révisez votre anglais pendant les vacances. Allez, réviser. Non, non, non. Profitez, profitez. Profitons. Ah, mince, je crois que je pouvais passer. Oh, je suis passé, mais je m'en fous, je te fais du combat. Pour l'instant, Étourvol est dans le, presque dans le rouge, mais j'ai même pas besoin d'aller les... même pas besoin d'aller le guerre. De toute façon, après, j'y vais avant, avant de combattre la... le chef. Kaino ! Pardon, mais là, je pense qu'Aéropic, ça va faire extrêmement mal. Type insecte et combat. Ces deux types ont la même faiblesse, le type vol. Alors, quand on assemble, alors quand on lance ça, mais ça fait extrêmement mal. Normalement, je le hausse. Pas ce que je pensais. Skyno dead. Mouah, et 1200 points d'expérience. Bon, malheureusement, il est tel, il commence, que s'il commence à monter, 1200, c'est plus rien du tout, malheureusement. Allez, on pousse. Alors là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Voilà, ça sert à rien de frapper. Donc c'est bon, j'ai combattu le quatuor, hein, comme il se donne. Là maintenant ça c'est de la logique, hein. Donc, non, c'est pas comme ça, enfin j'aurais pu, mais bon, ça a rien changé. Oh putain, ça c'est chiant ça par contre. Vous cognez dedans, il y a la petite cinématique pour dire vous avez tapé dedans, mais ça bouge pas. C'est tout simplement énervant. Oula, je crois que c'était pas bon. Voilà. Pas de temps. Parfait. Oh, 8 minutes pour battre le quatuor. Parfait. Alors là, il faut retourner en arrière. Parce qu'ici, tout à l'heure, je sais pas si on avait libéré un espace. Qui va justement nous permettre de passer. Alors je pousse ici pour, voilà, ça me libère un peu de passage. Voilà. Et ici, on pousse. Allez, un coup de poum. Mega punch. Et on y retourne, mega punch. Et voilà, passage libéré. Un pas trop vite. Mini punch. C'était nul. J'aurais dû continuer à taper. Balos, balos.
Et voilà, la championne qu'on va faire, qu'on va le faire après. Ou maintenant. Oh, j'ai besoin des tourvelles, malheureusement. Putain, c'est quand même des fous dans ce truc. Hein. Ils arrivent à faire des trous par terre. Boum. Allez, go. C'est parti. Allez, go. J'ai pas que ça à foutre. On n'a pas que ça à foutre. On aurait pu se bâcler la reine en 10 minutes. C'est encore 20 minutes de jeu pour aller aider Aurore. Oh, de toute façon, on va tout faire ça ensuite. Et ensuite, nous partirons pour Verchamp dans l'épisode 21 ou peut-être dans cet épisode. On verra à quelle vitesse ça ira. Bon, je dois tout refaire. Je vous retrouve après avoir tout refait devant la championne. A tout de suite. Et re tout le monde. Ok, 18h08, encore 20 minutes. Ok, re tout le monde. Donc, voilà, on se retrouve devant la championne. Et c'est parti. Pokémon contre la comme la plupart des champions, hein, ils ont souvent 3 Pokémon, sauf à la fin. Bien sûr, hein, à la fin, son Pokémon augmente. Ouh, niveau 28, et c'est pas son plus fort. C'est compliqué, ça veut dire. Merde. Pouh, le niveau 31 qui sauve la vie. Allez, donne-moi ton XP. Ouh, oui, c'est un bon match chopper. J'aime les match chopper. J'aime quand ils me donnent de l'XP. Oui, c'est bien. Ah, le bâtard, c'est qu'il a des techniques de type proche celui-là. Le petit coquin. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Il est pris cher. Oh non, non. Oui. Heureusement qu'ils sont lourds. Hein. Alors. Parfait. Ça en fait en moins. Ça... Et celle-là, Chupolita entre en jeu. Comme manque la championne, je me la bats en 2-3 coups. 32, hein. Je suis juste, hein. Je suis juste. Aïe. Une blague, punaise. Il y avait une chance, je sais pas combien, de voir cette... C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, je vous le dis. Voilà, vous voyez, c'est super efficace. J'ai bien réfléchi à tout, je suis dans le pétrin, pas vrai. Attendez, je réfléchis. Où était dans le pétrin? Pardon. Ah non, ça c'est pas malin, ça c'est pas gentil du tout. Punaise, le chien. Il y a vampire point, ah ouais, je l'avais oublié celle-là. Je rigole, mais c'est pas drôle. Carmage et tout, punaise et tout, voilà. C'est très bien, j'avais très bon souvenir du Lucario, mais ici. J'ai perdu une fois d'ailleurs contre elle. J'ai très bien que je vais gagner, là, je suis sûr. Mais ouais. En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'elle récupère ses vies. Et, bah, pas de cette façon, je pensais. Punaise, elle est puissante cette technique. Ouais, voilà. Cruel. Échec. C'est un échec total. Échec le plus total. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Au final, là, je... Pardon. Au final, je vais pas la battre en 2-3 coups. Hein. Oh. Mais j'ai complètement oublié Tourbillon. Tourbillon.
Ouais, je crois que c'était cheaté. Je crois qu'elle a encore me foutre paralysie. La surpuissance. Maintenant, faut pas que ça perde trop. Même que. Non, faut pas qu'elle utilise 20 pip-points. Pourquoi elle utilise 20 pip-points? Pardon, j'étais obligé d'être content parce que. Voilà, donne ton XP, ça fait. C'est bon, qu'il est bon ton XP. J'étais sûr. Très bien. Quel combat, j'ai beaucoup appris. Accepte la base d'arène s'il te plaît. Ah, t'avais intérêt à me le donner de toute façon. La souris. La souris. Pas content. Voilà. Grâce à ce badge officiel de la Ligue Pokémon. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement bien dit. Tu pourras utiliser la capacité secrète vol hors combat. En plus, maintenant tu as 4 badges. Les Pokémon obtenus au cours d'un échange t'obéiront jusqu'au niveau 50. Mais sauf que je fais aucun échange, c'est ballot. C'était 60. J'espère c'est bon pipon. Oui, c'est fort pipon. Sauf qu'après. D'ailleurs, je pense à Lucario. Il va falloir que j'en vire un après. Pourquoi, vous verrez quand on sera rendu à la 6ème arène. Pour l'instant, nous n'y sommes pas rendus. Ça sera pas dans cet épisode. Je ne crois pas du tout, même. Ouais. Aurore. Tiens, salut Aurore. Salut mec, un petit peu m'aider. C'est Bandit Team Galaxy. M'envoyant un Pokédex. Aide-moi à le récupérer, s'il te plaît. Je te tenterai devant la gare. À de suite. D'accord, elle me demande même pas mon avis. Non. Je veux pas. Ça m'énerve ça, la politesse, ça existe. En plus, c'est une fille, on dit toujours que les filles, c'est les plus polies. Hein? Mais là, on va nous prouver l'inverse. Ah, ça m'énerve ça. Je pense que ça sera Roselia, ouais, que j'enlèverai parce que voilà. De Pokémon type plante, Roselia, ouais, il sera plus de notre équipe, désolé. Parce qu'il y a un autre Pokémon plus tard qui m'intéresse deux fois plus que Roselia. Et ouais, vous comprendrez pourquoi. Et après, ce sera Ponyta que j'enlèverai pour la Ligue Pokémon pour prendre Giratina, le Pokémon légendaire. Mais ça sera plus tard, hein, pas tout de suite. Roselia, tour vol. Alors toi, t'as assez XP aujourd'hui, hein. Alors, on va prendre Roselia, hein, même si j'ai dit que je le prendrais plus, mais ça c'est pas maintenant, hein, pour l'instant. Il est dans mon équipe, il restera dans mon équipe. Bah, de toute façon, je compte pas, parfait. Salut, tu vas bien m'aider? Tu te souviens des Simon Célérat de la Team Galaxy? Ceux qui ont essayé de voler les travaux de professeur sont bien félicités. Je suis tombé sur eux tout à l'heure et ils m'ont volé mon Pokédex. Aide-moi à le récupérer, s'il te plaît, faisons équipe pour leur mettre une raclée. Oui, je ne sais pas si c'est juste à moi. Combat double. Vous allez voir, normalement j'ai une différence de niveau par rapport à cette chère Aurore. D'ailleurs, même avec l'iceberg galactique. C'est très bien tout ça. C'est une blague, j'espère. Finesse la blague, comme tout par hasard. Je prends un peu une petite plante. Ouais. Oh putain, j'en ai marre. Ouh, ça c'est bien joué, bien fait, ça c'est bien joué. Amoureux. Attention, si Fiennes sont ennemis, ne pas rester au sol à cause de la gravité. C'est intéressant pour les attaques de type sol, mais bon. Ouais, si elle veut, si elle veut. Si elle veut. Il veut pas attaquer. Non, oh non, c'est pas bon ça. Je prends cher, mon tout est mort. Même pas. Ça donne pas du tout envie de dormir cette perceuse, moi je vous le dis. Moi j'ai bien, bon, il y a que moi qui attaque pour information, hein. Depuis tout à l'heure elle fait que les stunts.
Mais sinon, il n'y a rien qui se passe, hein. En plus, t'es amoureux, mon pauvre. Punaise, bâtard, j'étais sûr. C'était obligé. Attaque, 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 attaque. Ah ouais, ouais. Ah non, non, c'est vrai, en fait, ça redonne des vies. Ça pour plus tard. Un truc qui sert strictement à rien, au final. Je suis de mourir. C'est un débile, mais c'est un débile. Il aurait pu tuer celui qui arrête pas d'attaquer. Mais non. Elle a un cadavre à elle. Ah ouais, un cadavre à elle. On va attaquer le comme ça un petit pendant ce temps, parce que lui je sais très bien ce qu'il va faire. Oh non, même pas. Même pas. Ah je suis choqué. Je croyais qu'elle allait attaquer le sort petit qui restait rien du tout comme de par hasard. Hein. Yes, niveau 28. Et je vous le dis, niveau 28, ils apprennent tous quelque chose, c'est incroyable ça. Pic toxique, on va oublier une capacité, on va oublier parasport. Un truc qui sert à rien. Bon, je n'utiliserai pas surtout. Il faut qu'il change de Pokémon à son propre insu. Hein. C'est-à-dire qu'il veut changer, mais voilà. Je t'en mets que ça se passera très rarement. Ça se passera surtout lors du conseil des 4. Fouette. Ils sont tous des Pokémon type poison, mais techniques n'auront aucun effet. Mais c'est une blague, vas-y, attaque l'autre. Ah non, il pourra pas, c'est vrai. C'est un type obscur, ténèbre plutôt. C'est un type psy, n'a aucun effet sur les types ténèbres. Eh ben, c'est con tout ça. Là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il va lancer. Parce qu'on n'y est pas rendu avec mon Roselia. Hein. Oh si, c'est puissant. Oh si, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah non, je crois que c'était puissant. Mais non, mais non, mais vraiment, mais... Ouh, ça c'est bien joué, ça. Ça c'est bien joué, ça. Récupère des vies, récupère des vies. Oh, le noob. Oh, le noob. Ouais. Ah d'accord, coup psycho, rafale psy et protection, protection et mur lumière. Ok d'accord, ce sont ces 4 attaques. Je pensais pas le battre aussi facilement, hein. Je vous le dis. Franchement, je pensais pas, mais je l'ai fait, je suis content. Battu par deux enfants. Toi tu répètes ça, je te promets, je t'explose la tête. Ta tête bleue là, moche, toute moche. Bleu. Ah c'est nul, le Pokémon sur les boviettes devrait en prendre de nouveau au quartier général. De toute façon on s'en fiche bien des Pokédex, l'explication va bientôt tous les Pokémon du monde Asbot. Asbot, Asabot, ah Asabot pardon. Tous les Pokémon de l'univers même. Tiens prends-le, prends ton Pokédex. On a déjà été assumé à Verchamp de toute façon, comme on dirait bien qu'il y aura le dernier. L'espire vous salue. Salut. Comme s'ils étaient les maîtres ici. Merci tout cœur. Oh, oh, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans mon Pokédex. Il m'est indispensable pour assister le sommet dans ses recherches. Alors, Mike, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, je pense aller faire un tour au manoir Pokémon sur la route 212. Il paraît qu'il abrite des Pokémon rares. L'autre, mais quelle est Coco, elle va devoir retourner en arrière. Il n'y a plus aucune crainte à avoir, je suis là, j'ai entendu dire que des enfants se battaient contre la Team Galaxy, j'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, c'est le 5 lui de fils, c'était bâtard. Vous savez, vous êtes comme ainsi, on représente quelle grossière. Ah bah là, c'est le cas de dire, hein. Je suis désolé. Team Galaxy m'avait volé mon Pokédex, je suis furieuse, c'est sorti comme ça. Bon, je vous laisse, méfiez-vous de la Team Galaxy. Aucune importance, ce qui m'inquiète par contre c'est le comportement qu'il y a ici, tenter de déployer des enfants, quelle bassesse. Mais punaise, on n'est pas des enfants, merde. Décidément, ils font de bien piètre. Criminel, c'est la mélodie de leur exaction ne les rend que plus préoccupants. Il faut examiner leur guerre, suis-moi et allons y jeter un coup d'œil. Parfait, la CS vol est à moi. C'est fermé sans la clé, nous sommes obligés de laisser finir, c'est parti. Ah,
cette capsule secrète est contient... C'est comme par hasard. C'est... Non, mais vraiment, il est tellement bien fait. Vous ne... Pas laisser... Pas la laisser aux mains de Team Galaxy. Il semblerait que nous ne serions pas plus avancés, tant pis. C'est ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai entendu au casino de Négocie à transporter quelque chose jusqu'à Verchamp. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais ça me dit rien qu'il vaille. Ok, eh ben merci beaucoup mon cher Belladonis de m'avoir dixé la capsule secrète. Je la prends tout de suite. Et je la mets tout de suite sur mon étourvol. Ce qui va me permettre de pouvoir voyager partout. Enfin voilà, je vais pouvoir voyager maintenant. Yes, c'est bon ça, c'est bon ça. Maintenant, je vais pouvoir, sans faire de retour à pied, pour féliciter, pour aller chercher l'application Pokédex. Pokémon, pardon. Alors, on va oublier Cruel, hein. Aéropic fait l'affaire. Oh, bah, je suis bien content, sérieusement. Oui, maintenant, il tourne à deux capsules secrètes. Malheureusement, c'est vrai que d'un côté, ça me dégoûte. On va finir cet épisode... Morceau étoilé, yes, ça s'enchaîne. On va finir cet épisode... est-ce qu'on va le finir? On va chercher les trucs pour Pokémon 3. Voilà, je me souvenais de ça. Caché en plus, c'est un super bonbon. Bonbon, je vérifie quand même. Voilà, donc ça, c'est le ça, c'est la base secrète de la Team Galaxy, très très secrète à mon goût. Hein, c'est la fin, c'est la méga base secrète. Hein. C'est la vraie base de la Team Galaxy, contrairement à celle de Vestigion qui n'était pas très secrète non plus. Hein. Météorite, alors ça sera pour Deoxys. Voilà, donc ça c'est un échange, un petit peu plus en bas pour Verchamp. Hop, 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 hop. Et ben on est parti. Première utilisation de la nouvelle technique, vol. Et voilà, la première fois que vous voyez. Non, deuxième fois que vous voyez la carte, je crois. Ouais, c'est ça. Alors voilà, donc ensuite, voilà, ça, je monte la carte en même temps. Donc nous allons partir ici. Donc nous irons dans le rive du lac Courage pour ensuite aller à Verchamp. Et à la place d'utiliser vol comme beaucoup le font, j'en suis sûr, pour retourner à Bonville, on va y aller en marchant car on va passer par cette route là pour la découvrir déjà et en même temps pour faire tous les combats. Voilà, on se retournera à une police et on retournera en marchant tranquillou à Bonville et enfin nous irons à Sébastien. Voilà, donc je vous ai dit beaucoup là parce que voilà, c'est toutes les routes qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut faire. De toute façon, on a besoin d'aller à Celestia parce qu'on va nous recevoir une CS spéciale pour pouvoir aller ici, à Jolie Berge. Bon, pendant ce temps, allons à Félicité. J'en ai dit beaucoup là dans la suite des aventures, de tout ce que je vais faire. Ouais, ça sera quand même pas en un épisode, pas du tout. Allez. D'ailleurs, je vais commencer par un truc. Alors, voilà. Donc, celle-ci, c'est Félicité. Cette fille-là, c'est une loterie. Il y a un numéro spécial où vous pouvez gagner une Master Ball. Alors faut aller chercher sur internet, hein. Je sais plus le truc, il y a même un code Action Replay qui vous permet de ben justement de gagner le numéro du billet de loterie. Je vais voir si c'est ça. Bah, de toute façon j'ai que 6 Pokémon, enfin j'en ai que 7. Je pense pas que je vais réussir à tomber dessus. Enfin bon voilà, donc la Master Ball est super compliquée à obtenir ici. Enfin, on en obtient bien une. Voilà, alors toi, est-ce que tu me donnes quelque chose? Oh, je t'assure que je vais continuer à développer des... Non, c'est pas toi, c'est lui. Bonjour, bonjour, je suis le président de la Pokémon Tessa. Mais oui, ta passion doit être récompensée. J'ai mis au point un nouveau logiciel Pokémon. Reçoit carte repère. Ok, la carte repère. On s'en fout, on s'en fout. J'en veux d'autres. Bonjour, bonjour. Je suis en train de développer un nouveau logiciel. Pas encore fini. Quoi, sérieux? Sérieux? Il a développé qu'un seul logiciel Pokémon 3. Alors j'ai eu 2 badges entre temps. Même 3. Même 3. What the fuck? Ouais. T'es pas net toi. Eh ben on va retourner à Voilà Rock.
finir l'épisode. Ah, c'est vraiment cette CS vol. En plus, elle est puissante sans être en combat. C'est la perfection. La perfection. On descend, Je suis content de faire votre discours, je dis ça sérieusement. Elle est difficilement praticable, il n'y a rien à voir là-bas, à part peut-être sur Ruine Maniaque. À la limite, ce type s'est frayé un chemin à travers la roche et sans l'aide de personne. Voilà, donc c'est ce gars-là que je vous avais parlé. Ah, mais non, je vous avais pas parlé puisque vous avez pas entendu. Voilà, donc en fait, il y avait un gars, donc sur Ruine Maniaque justement. Qui creuse en même temps que je découvre les zerbis. Ça veut dire en fait que dès que je découvre un zerbi, enfin dès que je trouve un certain nombre de zerbis, ça va se décaler, ça va s'ouvrir un peu. Et au moins j'aurai trouvé tous les zerbis, ça sera ouvert au maximum et il trouvera une nouvelle porte, enfin voilà, un nouvel endroit, une nouvelle grotte. Et cette grotte en fait, c'est la grotte qu'il y a au-dessus de la grotte des zerbis. Donc voilà. Et c'est la fin en même temps, je n'y vais pas, je vais rester ici. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 21. Et oui, l'épisode 21. Ça passe vite, ça passe vite. Je vais le tourner tout de suite après. Je n'ai pas d'XP obligatoire. Non, 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 non. J'ai pas XP mes Pokémon. Ça va s'XP tranquillement, tranquillement. Tranquillou, tranquillou. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 21. Merci de me suivre. Et voilà, c'est tout. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.